idea. Bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un grand jour pour certains d'entre nous, bon pour ceux qui sont dans la zone C, car c'est la rentrée. Sauf que pour moi ce n'est pas une rentrée normale, car je rentre dans une nouvelle école. L'école où j'étais avant, elle est trop loin, et là il y a une école proche de chez moi, à 5 minutes en trottinette, 7 minutes si je cours, et 10 minutes à pied. Donc c'est vraiment à côté. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai ça, et ben en fait c'est à cause du froid. Je pense que vous aussi vous avez peut-être des petits trucs sur votre peau et tout à cause du froid, des petites égratignures. Ça c'est vraiment une des choses que je déteste le plus du froid, et aussi bah quand tu tombes malade, voilà, ça c'est des choses pas très cool. Mais sinon la neige etc, ça c'est bien. Et en fait j'ai mis un pansement, sauf que vous voyez là je plie, et là aussi. Donc le pansement il reste pas collé et ça part, voilà. Donc j'ai mis un bandeau pour que ça tienne et pour que ça frotte pas. Et en fait hier j'étais en train de dormir mais j'avais pas mis de bandeau encore ou de pansement. Et ça me faisait vraiment mal, ça me grattait et tout. Du coup je me suis dit faut que je mette quelque chose parce que sinon ça va pas aller. Bon, tous les soirs je lis des mangas. Et hier soir j'étais en train de continuer de lire Fruit Basket. En fait j'ai déjà acheté la suite mais j'ai pas fini celui-là. Et vous voyez c'est vraiment un gros manga. L'histoire elle est intéressante et j'aime beaucoup les dessins etc. Donc top top top. Et puis celui qui me réveille, celui qui est mon alarme, c'est monsieur Milo. Bon du coup on va se préparer ensemble. La première étape c'est déjà je me rince le visage avec le gel mousson de Bioderma. Hop là, pour un peu plus me réveiller. Je suis bien réveillée maintenant. Ok, on continue. Ensuite, je vais vous montrer les étapes pour me préparer. Donc, comment je fais? Alors, déjà, j'utilise l'eau minérale de Bioderma. Donc, après de m'avoir rincé le visage, hop, vraiment, c'est super cool. Enfin, c'est top, top, top. Hein. L'eau minérale de Bioderma, c'est une bonne marque. Et voilà, voilà, hop là. Ah oui d'ailleurs hier je suis partie à Disney avec deux de mes meilleures amies, April et Anaïs. Alors attendez, là je vais utiliser la crème CeraVe. Et c'était vraiment super cool, c'était une expérience que je voulais vivre depuis longtemps, enfin d'aller à Disney avec mes amis. D'ailleurs ça faisait un bon moment que j'étais pas partie à Disney, donc ça faisait plaisir. Et on a pu vraiment profiter de la journée, on a fait plein d'attractions. On a fait celle de Hollywood, l'ascenseur, c'était super cool, c'est vraiment mon attraction préférée, on a tous adoré. C'est vrai qu'elle fait un peu peur, genre l'ascenseur il fait comme ça, boum, et au dernier moment genre vraiment t'es tout en haut, tu vois un peu Disney et tout, t'es là en mode ah. Et après ça part. Ça faisait trop peur, j'ai vraiment trop crié. D'ailleurs j'ai un nouveau compte Instagram, c'est Kiara Paris Off, et j'ai déjà une publication, donc c'était quand j'étais à Disney. TikTok, on a aussi posté une vidéo à Disney, et mon compte c'est Kiara Paris officiel. D'ailleurs il y a un faux compte, il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi, donc faites très très attention. Le vrai compte c'est Kiara Paris officiel avec un L, et en haut c'est écrit Kiara. Et le faux compte, c'est Kiara Paris officiel avec deux L, et en haut, elle a écrit correctement Kiara Paris officiel avec un L pour tromper les gens et tout. Donc vraiment, faites très 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 attention. Retenez bien que c'est Kiara en haut et Kiara Paris officiel avec un L. On continue. Ensuite, je mets mon labello A. Donc c'est de la marque La Roche-Posay. Voilà, voilà, voilà. Touk. Une très bonne marque aussi. Et là, on va commencer plus au make-up. Donc, on va pas faire grand chose. Hein. Je vais juste mettre du Andissard. Donc, ça, c'est celui à ma mère et à moi. En fait, on partage. Ok. Donc, j'en mets ici. Ici. Là, j'ai une éponge étoile. Et du coup, je vais tapoter avec. Hop là. De ce côté-là, j'en ai mis plus qu'ici. Donc, hop. Un petit peu aussi. Ok, le anti-cerne c'est fait, et ensuite je mets le blush. Ça c'est le blush de REM Beauty, donc de Ariana Grande, et maintenant je l'utilise car je l'aime beaucoup. Donc ça s'applique comme ça, hop hop.
Et ensuite, bah, on tapote avec le doigt. Donc j'en mets un petit peu comme ça. J'aime beaucoup la couleur. Il est top, top, top. Hein. Vous voyez? Ça va, hein? Cool. L'autre côté. Et maintenant, je vais mettre un petit peu ici. Touk. Et c'est fait, le blush, c'est fini aussi. Après, je vais recourber mes cils. Pour moi, mes cils, c'est très important parce qu'en fait, j'ai des longs cils. Quand je trouve que quand je recourbe mes cils et tout, bah, on dirait que je suis plus réveillée et tout. Donc c'est un petit peu mieux. Et je vais jamais à l'école ou à un endroit sans me recourber les cils. Pour moi, c'est vraiment super important de m'occuper de mes cils. Puis il y a des gens, ils m'ont demandé, est-ce que tu mets des faux cils? J'étais là en mode... Pas du tout. Et là, je me suis sentie fière parce que je me suis dit waouh. Si on pense que j'ai des faux cils, c'est-à-dire que mes cils, bah en fait, ils sont longs, ils sont bien et tout. Bref, mais c'est pas un truc incroyable, hein, mais je sais juste que j'aime bien. Ok, du coup, on fait comme ça. Et d'ailleurs, c'est toujours mieux, hein. Hop là, quand tu mets le mascara après. Ok, côté. Ok. Pour le mascara, je vais aussi utiliser celui de RM Beauty. Et mon recours facile, par contre, je sais pas où je l'ai acheté. Je pense peut-être Sephora, mais je m'en souviens plus. Oula, mon ventre il gargouille là, il a faim. Hein. Ok, et j'en mets aussi un petit peu en bas. Bon là, je vais regarder le miroir parce que sinon je vais faire la catastrophe. Ok, donc ce côté-là, c'est fait. Côté gauche, yes. Maintenant, côté droit. Dernière petite chose, c'est le highlighter. Donc j'en mets ici dans le coin de l'œil avec un petit pinceau parce qu'en fait avant je faisais avec le doigt et c'était un peu plus catastrophique. Donc là c'est mieux. Ok, l'autre coin de l'œil, ensuite un petit peu sur le nez. Voilà, top top top. Ensuite les cheveux ils sont tout propres, je les ai lavés hier soir. J'utilise ma brosse. Donc là je fais comme ça en fait pour pousser ma frange rideau. Hair is done, les cheveux c'est fait, ensuite je me change, donc je vais mettre ma tenue du jour. Ce qui est top, c'est que je prends moins de temps pour me préparer le matin car je me douche tous les soirs. Donc ça, c'est génial. Et comme je vous ai dit auparavant, bah je me suis lavé les cheveux, donc pas besoin de me les laver aujourd'hui, de prendre ma douche, etc. Je peux manger plus doucement mon petit déjeuner, etc. Je suis moins pressée quoi, donc ça c'est génial. C'est bon, je me suis changée et voici ma tenue. Alors, j'ai mis une veste, une nouvelle veste qui est bleue et blanche. Ensuite, un haut blanc simple, donc c'est manche longue car il fait froid. Hein. Après, mon collier Naoto, donc en fait, ça c'est le collier que Tsunade a donné à Naoto. Et comme il est bleu, bah, il va bien avec ma tenue. Et puis, un pantalon cargo bleu marine. J'oublie pas de mettre le parfum qui va en plus très bien avec ma tenue. Vraiment, je l'aime trop, hein. C'est le parfum de Ariana Grande. Top, 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 nuage comme ça. Ça va super bien avec ma chambre et avec ma tenue du jour. Aujourd'hui, c'est full bleu. Hein. Hop. Avant d'aller prendre mon petit déj, je vais préparer mon sac à dos. Comme ça, bah, il est déjà prêt. Je finis de manger et hop, je le prends. Je pars. Comme c'est mon premier jour d'école, bah forcément je sais pas tout ce que je dois ramener, etc. Par contre, ils m'ont déjà donné mon carnet pour pouvoir rentrer dans l'école, etc. Et où il y a écrit mon emploi du temps, donc je sais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais prendre les mêmes cahiers que j'avais utilisés en début d'année et je vais continuer à la suite. Ils m'ont aussi donné des manuels, donc je vais les prendre au cas où, car je ne sais pas s'il me les faut ou pas. Peut-être qu'ils ont déjà des manuels dans la classe, je sais pas. Je verrai ça après une fois dans l'école. Ok, hop là, manuel français et maths, ma trousse, ok, et je vais ramener mon désinfectant, je vais l'accrocher ici. Gare, yeah, dépêche-toi. Oui, t'inquiète pas, j'arrive, papa, je vais pas mettre le truc là. Ok, c'est bon, mon sac à dos, il est prêt. Wow, il est un peu lourd quand même, hein. Tout ça à cause des manuels car en fait j'ai mis 3 cahiers donc je vais faire un milkshake. Du coup j'ai mis les fruits dans le mixeur, j'ai choisi banane et fraise. Après j'ajoute le lait et puis un peu de miel. Ensuite on ferme et
prêt. Ouh, ça a l'air bon, hein. Et ça, c'est le petit déj. Un croissant, un mini pain au raisin et des fruits. Pour nettoyer mon appareil, je mets de l'eau dans un verre, ensuite le comprimé, hop là, et mon appareil, ensuite, et puis je laisse reposer pendant 5 minutes. Une fois que les 5 minutes sont passées, je brosse. Faut pas mettre du dentifrice, hein, c'est sans dentifrice. Et ça c'est une brosse à dents que j'utilise spécialement pour nettoyer mon appareil. Et je rince. Comme ça, mon appareil, il est tout propre. Hop là, je mets mes chaussures. Hop. Je vais ajouter ma gourde et des barres de céréales dans mon sac à dos. Ouf. C'est le moment de la dédicace et les personnes sont Maëlie et Morgane. Merci pour regarder nos vidéos et partager. On vous fait plein de gros bisous. Car, câlin. Bon, je dois y aller. Je suis prête pour mon premier jour d'école dans un nouveau collège. Bye bye.